Alors, le Nishmat, Yitzhak ben Shimon Saban, Shimon ben Liza Chatzon. Alors, la parachute de la semaine, c'est la parachute de Vaïra. Et dans la parachute de Vaïra, on parle de, entre autres des malachim qui viennent Avram, donc c'est le troisième jour de Mila. Et comme c'est le troisième jour de Mila, Avram il a très mal. En même temps, il a une envie folle de faire Achnas Adochim. Akjbokhu, il sort un soleil très fort et Akjbokhu, il vient le voir. Et voilà que Akjbokhu, Avram, il dit, c'est vrai que tu es là, mais j'ai un besoin de faire de Netzina. Je suis une machine de Chesed, je ne peux pas arrêter mon Chesed. Akjbokhu, il lui fait un service, il sort trois malachim transformés en arabe. Et en fait, c'est trois malachim. Un malach s'appelait Michael. Un deuxième s'appelait Gabriel. Et le troisième Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire, Michael? Il est venu annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Gabriel, il est venu détruire Sodome. Et voilà que. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Michael. Raphaël, qui est venu guérir Abraham. Alors. Tous les commentaires ils demandent, ils disent, mais je comprends pas. Gabriel, il est venu faire quoi, Gabriel? Il est venu faire quoi? Il est venu renverser ce dôme, mais qu'est-ce qu'il a fait à venir chez Abraham? Mao, c'est ça l'Abraham? Chez là ou non chez là? Il a bien fait une seule mission. Non, c'est pas la question que je demande. Il y a une autre question qu'on voit que Michel après il va venir avec Gabriel. Parce qu'il y a écrit Vayavo à Malachim, Michel après il va venir avec Gabriel. C'est autre chez là. Moi, ce que je demande, Bichlal, si les trois Malachim là, chacun ils sont venus pour annoncer, pour faire quelque chose. Donc Gabriel, lui, son travail, c'est quoi? D'aller renverser Sodome? Qu'est-ce qu'il vient chez Abraham? Il s'ennuie, il veut boire un café? Il est parti voir le tzadik pour essayer peut-être d'insercer le prédateur de mon groupe, on ne va pas le détruire. Ah, comme ça, tu dis. Moi, top. Je dis, ça, c'est ce qu'on avait pris au collège. Il a fait mes notes. Maintenant, il y a un autre chat. Ouais. Mais il y a un chat joli comme ça. Je voulais pas parler de ça, mais d'un muse, j'ai transformé, je disais, je vais parler c'est de pas ça. Pas grave, parce que maintenant, on est plus précis. Le truc, il est comme ça. Et c'est un pshat très joli, il y a un Khidush Harim très joli. Le Khidush Harim, il dit qu'en fait, que, il y a écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, il y a écrit, d'abord dans le Midrash, il y a écrit Matsati, je voulais le mot, il y a écrit Matsati David Avzi. Et alors le Midrash, il y a écrit Matsati David Avzi. Je t'ai dit dans le Midrash, Efo Matsati, où il y a écrit Efo Matsati, Matsati Bizdom. Où j'ai trouvé David à Sodome. On ne comprend pas, c'est-à-dire Midrash plié. C'est-à-dire que, ça veut dire quelque part, le Midrash il dit, Bisrout Ma, c'est quel mérite il a eu Lot d'être sauvé, parce qu'il va sortir David. C'est-à-dire que Lot, en vérité, il est transparent. Il y a écrit dans le Midrash que Lot, il s'est retourné quand les Malachim sont venus le prendre, comme ça, il dit, vite, on va détruire Sodome. Lot, il a dit, attends, je prends une petite montre, un petit bijou. Ils l'ont poussé la main comme ça, il avait des tonnes d'argent, des tonnes de bétail, tout a été enseveli. C'est pour ça que, à mon avis, c'est à Sodome qu'il fallait chercher. C'est pas ici. Ici, il n'y a rien à Yerushalayim, à part les Sfarim. Ouais, mais si tu cherches, c'est celui qui cherche l'argent, c'est à Sodome, mon frère. Il faut aller trouver exactement le détecteur de métaux, il faut aller chercher les. Ça, c'est la petite blague en parenthèse. Mais en tous les cas, il y a écrit que. Donc Bisrout David Améler qui est sorti, parce que Lot va sortir Ruth Amoavia, Ruth Amoavia va sortir de Lot et David va sortir de ça. Et la Gemara dans Yevamot elle raconte qu'il y avait une grande discussion entre Doeg Adumi et entre Avner Ben Ner. Parce que c'est quoi l'histoire? On sait que David Améler, quand il y a eu Shaul, il y a eu un moment Goliath. Toujours il y avait des bagarres avec les Pélichtins, les Pélichtim. Toujours il y a des grosses bagarres. Et à un moment comment il s'appelle Goliath, il a dit, regarde, on a marre de faire des bagarres stam, c'est nul. Regardez, au lieu de faire des bagarres de peuple, venez, amenez quelqu'un qui a des muscles, un contre un. Si moi je gagne, alors c'est nous qu'on a gagné. Et si c'est vous qu'on gagne, vous avez gagné. Mais arrêtez de vous prendre la tête, c'est, on perd du temps. Et bien sûr, qui va aller contre Goliath? C'est un monstre. David Améler, il a dit, moi, j'y vais. C'est un petit comme ça qui faisait la musique à Shaul. Alors,
Et il dit David, regarde, maximum, si je perds, vous direz que c'est infaisable. On ne l'a jamais envoyé, il est parti tout seul. Donc il va chez Shaoul, il prend l'armure, et qu'est-ce qui s'est passé? L'armure, elle s'est adaptée à David. Et là, Shaoul, il a fait un waouh, il se passe quelque chose là. Shaoul, il a dit, attends, c'est quoi l'embrouille? L'armure s'adapte que à celui qui est apte à droit. Donc si Bémet s'adaptait, c'est-à-dire que c'est David Améler qui est roi. Donc il a commencé à... Déjà, il a vu que Shaoul que David était refif. Shaoul, il avait peur. Il a dit, écoute, il a vu dans le Bétamirage, vous pensez que David Améler, il peut être un roi? Alors, il y avait Doeg Adomi qui ne l'aimait pas. Il dit, mais au lieu de demander est-ce qu'il peut être roi, demandez est-ce que c'est un phage? Est-ce que c'est un juif, Birkhal? C'est un pas un juif, c'est un patos. Il n'est pas juif, ce David. Quoi, il n'est pas juif? Ben oui, il vient du peuple. Il y a écrit Lo yavo Amoni ou Moavim, Bikal Hashem. Donc Amoni ou Moavim, ils n'ont pas le droit de venir Bikal Hashem. Donc non, laisse tomber, c'est pas un juif. Alors, dans Midrash, ils ont dit Amoni veut le Amonite, Moavim veut le Moavim. Comme ça, dans Midrash, ils ont dit. Top. Après, ils ont dit qui t'a dit que c'est comme ça? Alors, d'abord, ils ont dit Bémet, pourquoi? Et ils ont dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah, elle te dit, Amoni, Vemoavi, Vavobika Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas amené à manger. C'est un minimum que quand tu vois des invités, tu leur amènes à manger. Donc, comme ils n'ont pas amené à manger, alors ils ont dit, c'est pas l'habitude donc, c'est que les hommes qui. On peut réclamer ça aux hommes. Et imagine, tu envoies des femmes. Imagine la cata. Ouais, là, tu envoies des femmes, c'est la débandade. Donc, c'est pas aux femmes d'aller, c'est aux hommes. Donc c'est les hommes Amoni, velo moi Amonite, Moavi, velo Moavi. C'est-à-dire tout. Si, la Torah dit que la raison pourquoi le Amoni peut pas venir, parce qu'ils n'ont pas amené à manger. Alors cette raison-là, elle est valable pour les hommes et pour les femmes. Alors, il a dit attends, c'est quoi ce mytho? Arrête de dire des bêtises. Si c'est ça ton problème, que les hommes ils vont chez les hommes, comme les religieux ils font des mechitzot, les hommes ils dansent avec les hommes et les femmes avec les femmes. Alors, ils n'avaient qu'à faire, les hommes, ils amènent aux hommes, et les femmes, ils amènent aux femmes. Et là, il a envoyé une bombe, ils n'ont pas su répondre. Hâte qu'il y ait écrit que Amasha ben Ish Yeter, à Ishmaeli, il a mis une ceinture avec une épée, comme un Ishmael, comme un truc. Il a dit, il a pris l'épée, il a rentré dans le Beit HaMidrash comme ça, il a dit à tout celui qui bronche et qui ose dire que David Améler, David Améler, c'est pas un juif, parce qu'il a écrit Amoni velo moi. Il a écrit ça dans la Torah. Comme ça, on a reçu du Beit HaMidrash de Shmuel que Amoni velo Amonite, Moavi velo Moavi. Point bas. Boum. Et Bémet, il a pas répondu. C'est bien beau de faire le beau avec j'ai un pistolet et je fais le beau. Mais quand on est en discussion, pourquoi tu sors le pistolet? Réponds. Tu sors l'épée, tu dis comme ça on est Mekoubanim. Mais il y a une question là. Pourquoi qu'il est Mekoubanim? Pourquoi il a dit comme ça? Qui a dit? La Torah a dit, le yavo Amoni, Amoni c'est homme et femme. Ah, parce que c'est pas l'habitude, alors que les hommes ils vont avec les hommes et les femmes et les femmes. Et là, la Gemara, et c'est la Gemara qui pose cette question, Mikom Lakom Kasha. La Gemara dit, Mikom Lakom Kasha, c'est une question. La Gemara dit, Aye Sara Ishtecha. Et la Gemara, elle se barre en scooter, elle nous laisse en plan. Aye Sara Ishtecha. T'as compris quelque chose toi? Moi aussi j'ai pas compris la vérité. Alors Chidou Sharim il dit, Zapchat, écoutez bien ça. Aye Sarab Ishtecha Vene Sarab Baoel. Ça veut dire quoi? Que la c'est ça la réponse. La femme, elle a son endroit, c'est pas dans la rue. Même pour sortir, une femme, pour sortir à manger pour une autre femme, c'est pas sa place. Une femme, elle doit être dans sa maison. Qui dit que c'est pour toutes les femmes? Peut-être que c'est pour les femmes juives, ça. Ouais. Attends, non, mais les Ammonites, ça n'a rien à voir maintenant. Non, je parle des Ammonites juives. Non, Amoni qui vont se convertir. Ah, d'accord, d'accord. Alors, une seconde, alors il dit, c'est-à-dire que Bémet, Gabriel, tu entends Rabbeinu, Absalom, écoute ça. Gabriel, maintenant, il a une tana, il dit comme ça. Pourquoi? On a demandé une question, pourquoi Gabriel, il a besoin de passer chez Avram? Il veut boire un café, il y a un bon expresso là-bas, c'est quoi l'embrouille? Pourquoi il a besoin? Les autres, je comprends. Un, Raphaël, il a besoin de guérir. Abraham, lui, il a besoin d'annoncer une bonne nouvelle. Mais Gabriel, qu'est-ce qui vient? La réponse, c'est Gabriel, il dit, moi, je vais pas sauver Lot. Je vais pas sauver Lot si je sais pas que David, c'est un juif. Parce que moi, je la connais, là. On va me dire que David, c'est pas... Quand il va sortir David, ils vont dire, non, il est sorti de Ruta Moavia, donc c'est pas un juif. Donc pourquoi je vais sauver Lot
Arrête, tout ce que je sauve l'autre, c'est pour David. Mais si David, c'est pas un juif, alors ça a rien. Il a besoin de passer chez Abraham, d'entendre où est ta femme. Tout le monde demande, c'est quoi cette question, où est ta femme? Je t'en pose une question. Attends, c'est où est ma femme? Ah, aïe, Sarah, Ishtera, Vinebaouel. Dès qu'il entend ça, Gabriel dit, ah, elle est dans la tente. Ah, il dit, ah, donc ça veut dire, c'est ça la Tana, il y a une Tana, Baruch HaShem. Il y aura une Tana. S'ils vont commencer à dire, oui, mais les femmes auraient dû aller chez les femmes et les hommes chez les hommes. Aïe, Sarah, Ishtera, Vinebaouel. Et là, dès qu'il entend ça, Gabriel, il peut aller faire le sauver l'autre. C'est qui ça, c'est Il a fait l'autre. Ça importe Khabar Azman, non? Ça vaut combien là? Après, on va chercher un peu tout à l'heure. Bémet, qui dit ça? Le Rav Rafael Pinto. Allez, ah non, mais là, c'est marocain, un vrai marocain. Ah non, j'ai enregistré. Après l'enregistrement, je te dirai. C'est lui qui répète. J'ai dû le faire le cours dans son internet. C'est lui qui répète ce qu'il a dit, mon cher. Il a quand même l'envoyé, comme par hasard. Ah ouais? Il a fait mode. Ah Bémet, et juste pour finir, il a fait mode. Ah Bémet, le Shem Ishmoël, ça il n'a pas dit, Misama. Le Shem Ishmoël, il dit que, on sait que Lot, c'est le sémen de Akhlasat Ohrim. Le Shem Ishmoël, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi on le base comme ça, Lot? Arrête de croire, c'est le sémen, ça. On parle d'Avram, Avram, Avram. Et Lot, il avait envie de. Ils ont envie de le tuer tout le monde et il allait contre tout le monde. Alors il dit que Lot. C'est vrai qu'il a fait Akhlasat Ohrim, mais c'était un Akhlasat Ohrim de idéal. C'est-à-dire que son problème à Lot, c'est qu'il était proche d'Avram. Donc il aurait dû, Lot, dès qu'il a vu l'argent, il a tout lâché. C'est-à-dire qu'il avait le choix d'être à côté d'un tzadik. Ouais, et qu'est-ce qu'il a, il a choisi? Il a choisi d'aller contre le tzadik. Quand tu fais cette chose-là, il t'enlève tout le mérite, comme ça il dit. Il dit que la reine, Etsem qu'il est parti de Avraham, c'est-à-dire qu'il ne le faisait pas comme parce qu'il était ordonné, il le fait comme idéal. Ça, je comprends, je le fais. L'argent, je ne comprends pas, je ne fais pas. On voit la même chose avec Ruth et Orpah. Les deux il y avait Naomi, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit que Naomi, elle était en train de partir, si vous me suivez, Ruth a dit non, je vais te suivre. Orpah, qu'est-ce qu'elle a fait? Orpah, Mershon, Oref, elle a tourné le dos. Il y a écrit que ce jour-là, elle a fait l'Oalimou ce qu'elle a fait. Jusqu'à que même un chien, il allait sur elle. Ad Kedekar, que quand David vient avec chez Goliath, il vient avec des pierres. Alors David lui dit quoi? Goliath lui dit quoi? Je suis un chien? David lui dit oui, c'est un chien, parce que Goliath, d'où il vient? D'où il sort? Dors pas. Et Orpah, elle a fait avec un chien, donc elle avait un tsad de chien. Donc David Amer, il a pris des pierres pour le. Et ça veut dire quoi? Que Orpah, elle avait le choix d'être dans la doucha avec Naomi, et elle a tourné le dos. La même chose de Lot, il avait le choix de. Quand tu as le choix d'être un. Tu as le tov et tu as le ra, et tu tournes le dos et tu vas vers le ra, je vois qu'il t'enlève tout le mérite. Bézat Hachem, ces paroles, elles sont les nuits chemins à tout le monde, les fois chemins à tout le monde, Bézat Hachem, on t'a fait les bonnes nouvelles. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.